Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes toujours dans la commune d'Abobo, toujours au lieu même sur le nouveau tunnel d'Abobo présentement. Et nous avons un monsieur qui est ici en face de nous, qui va essayer de nous donner quelques mots, au moins dire quelques mots sur ce tunnel qui vient d'être construit. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. Vous habitez dans la commune d'Abobo aussi? Oui, effectivement, j'habite dans la commune d'Abobo. Ça se voit que vous avez votre magasin tout juste en face du tunnel qui vient d'être construit. Mais est-ce que, d'abord, quel est le changement que ce tunnel va apporter dans la commune d'Abobo? Bon, je pense que ce tunnel va apporter un grand changement dans la commune d'Abobo parce que c'est une infrastructure quand même qui permet la fluidité de la circulation depuis la mise, je vais dire, en valeur de cette infrastructure. Depuis l'inauguration, bon, on n'assiste plus à des embouteillages au niveau d'Abobo. Je pense que la circulation, elle est fluide et nous tenons vraiment à remercier toutes les autorités, c'est-à-dire qui n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation vraiment de cette infrastructure. Okay. Maintenant, comme vous êtes à Abobo ici, vous connaissez un peu comment la commune d'Abobo est. Bon, on avait une ancienne image de la commune d'Abobo et heureusement qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Maintenant, quel mot vous pouvez dire à la jeunesse d'Abobo pour que vraiment ce tunnel fonctionne normalement, pour ne pas qu'il y ait d'autres choses en bas dans ce tunnel, au niveau de la sécurité? Bon, vous savez, effectivement, l'image que les gens ont de la commune d'Abobo est une image négative, mais je tiens quand même à faire comprendre aux gens que les choses commencent à changer petit à petit. Et cette image-là tend à disparaître en fait. Donc c'est le lieu encore d'encourager pratiquement toutes ces personnes-là qui sont encore dans de mauvaises pratiques, c'est-à-dire de comprendre que nous sommes dans le temps des changements et que les choses doivent évoluer positivement. Mais en même temps, c'est l'occasion aussi de lancer aussi un appel à toute la jeunesse d'Abobo de faire très attention aussi, parce que bon, il y a toujours des brebis galeuses, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là, c'est-à-dire qu'ils peuvent toujours s'aimer, je veux dire, tout ce que nous savons comme insécurité. À chacun de prendre ses dispositions pour éviter ce genre de situation. Sinon que dans l'ensemble, je pense que bon, il y a du mieux, ça va, il y a du bon vivre à Abobo et nous pouvons inviter pratiquement tout le monde, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont toujours cette idée négative là, à venir visiter Abobo. Et ils s'en rendent compte qu'effectivement la commune d'Abobo est une commune de paix, est une commune paisible où on peut circuler librement et sans problème à n'importe quelle heure de la journée comme de la nuit. Donc vraiment le message est fort, le message est fort et la jeunesse d'Abobo, de la commune d'Abobo, ça doit d'abord commencer par vous et puis bon, les autres communes vont vraiment ne plus avoir cette image négative là de cette commune. C'est vrai que ça a changé mais toujours, c'est un peu, c'est pas totalement. Donc vraiment merci beaucoup. Et ici, comme présentement nous sommes à la veille de l'ouverture de la CAN, quel est le mot d'encouragement que vous avez pour les éléphants, ceux qui vont mouiller le maillot sur le terrain? Bon, je pense que toutes ces infrastructures ont été mises en place pour la circulation fluide de la population, pour que tout le monde puisse converger vers le stade de Bimpe où les éléphants vont jouer pratiquement la première phase et tous les matchs de la CAN. Bon, c'est le lieu vraiment d'encourager nos éléphants parce que les autorités ont fait leur part. Les autorités ont fait leur part, ils ont investi ce qu'ils devaient investir dans les infrastructures pour permettre à la population d'être à l'aise. Ils ont mis tout ce qu'il fallait mettre en œuvre, c'est-à-dire pour pouvoir accueillir pratiquement toutes les délégations qui vont venir nous, comme on appelle ça, nous rejoindre pour cette canne-là en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion de demander aussi aux éléphants de faire aussi leur part, c'est-à-dire de donner de la joie pratiquement à la population, c'est-à-dire en faisant ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est de mettre le pied, c'est-à-dire dans le plat et de donner satisfaction pratiquement à la population en nous permettant vraiment de pouvoir maintenir la coupe sur place en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, merci. Donc je rappelle que le monsieur il est juste en face de ce tunnel. Donc, il va laisser un peu décrire un peu ses activités qu'il fait. Il est ici il y a longtemps et il vient même de vous dire au début de la vidéo que vraiment la construction de ce tunnel a vraiment changé beaucoup de choses ici. Donc il va essayer de nous décrire un peu, bon, expliquer en quelques mots ce qu'il fait ici au niveau de ses activités en face de ce tunnel. Et il va aussi laisser un contact parce que vraiment ce qu'il fait ici, moi-même il vient de visiter sa boutique ici, il y a vraiment de bonnes choses. Donc essayer d'expliquer un peu. Bon, en fait ici nous faisons de la calligraphie. C'est de la sérigraphie, en tout cas tout ce qui est design sur les différents supports. Tous les différents supports que nous pouvons imaginer, que ce soit les maillots, que ce soit, comment on appelle ça, même les panneaux et tout ce que nous pouvons imaginer en fait dans ce sens-là. Et au-delà même de cela aussi, nous faisons aussi toute activité de transfert d'argent. Voilà. Donc c'est avec ça quand même, on essaie quand même
de gagner un peu notre quotidien en fait dans la commune. Donc, je vais un peu expliquer ça en français facile. C'est-à-dire si vous voyez des t-shirts de mariage, des t-shirts de funérailles, quel que soit les t-shirts que vous voulez écrire dessus là, c'est ici. Tout ce que vous voulez faire comme calligraphie, impression, tout sur les habits, tout, c'est ici, on fait ça. Et puis bon, les tampons, tout, on va laisser, ou bien vous avez un numéro à laisser, ou bien on va le laisser. Le numéro que nous allons laisser, c'est le 2x07 50 62 56. Donc vraiment pour un travail bien fait, contactez le monsieur, c'est juste en face de ce tunnel. Pour ceux qui n'ont pas encore visité le tunnel, c'est le moment de venir confier votre travail au monsieur et puis bon, en profiter même temps visiter. Donc vraiment merci à vous, bonne soirée, vraiment c'est très gentil. Ok, merci à vous pareil, bonne soirée aussi à vous. Merci.